On est parti directement les amis, du coup comme vous voyez en face de moi il y a un gros village. Le but directement c'est d'espionner du coup un villageois pendant 24 heures. Alors, comme vous le savez les villageois ils font toujours leur vie mais en général on les croise un petit bout de la partie de Minecraft. Là ce que je vais faire, je vais en prendre un et je vais le suivre pendant 24 heures. Et on va pas se le cacher, il risque de se passer quand même pas mal de choses. Bon déjà on commence discrètement là, faudrait qu'on s'infiltre un peu. Oh il y a une petite grotte, bon on s'en fout, on reste là, allez. On regarde par-ci par-là, il y a pas un petit village. Oh. Attends, il y a un petit villageois là-bas, il regarde du pain. Pourquoi il regarde le pain? J'ai besoin d'un petit peu de pain là, je commence à avoir faim. Alors, hop là. Il récupère du pain. Bon, les gars, c'est tout à fait normal. Genre, moi aussi, je peux venir ici. Voilà. Récupérer un peu de pain comme ça. Oh, tout à fait. Oh, il va où? Il va où? Faut que je le suive vite, vite, ma verrou. Sa maison? Mais attends, mais il a la maison la plus grande du village. C'est quoi ce délire? Franchement, j'ai vraiment choisi le meilleur. Bon, il veut quoi lui? Circule, je suis en infiltration. Mais qu'est-ce qu'il fait? Sur une table de craft, un peu de pain tranquillement. Voilà. Ok, pour l'instant, tout va bien. Il ressort. Ok, parfait. Salut, monsieur le golem. Et vous voulez quoi, vous, là? Partez. Partez, là. Arrêtez de me regarder. Oh, il parle avec le golem. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ça va, monsieur le golem? Est-ce que tu saurais où je pourrais trouver une petite pioche pour aller miner un peu? Non, tu sais pas, non? Là-bas? Ok, merci beaucoup. Eh, on dirait qu'il est super triste. Je vais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il a une petite routine et ça me rend triste. Attends, on va essayer de rester derrière lui un peu quand même. Ok, voilà. Par vers là-bas. Vite, vite, faut pas qu'on se fasse. Allez, je me cache derrière le golem. Voilà. Ah, là, comme ça, je suis incognito. Qu'est-ce qu'il va encore? Ça y est, j'ai ma petite pioche. Alors. Okay, il est toujours là. J'ai envie de trouver un petit compagnon avec qui miner. Il fait sa petite vie normale, on est pour l'instant. Oh, il y a un petit en plus là-bas. Bon, on le suivra plus tard, lui. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Salut, toi. Est-ce que tu veux aller miner avec moi? Non, on n'a pas envie, pars. On n'a pas envie de te parler. Quoi? Mais s'il te plaît, j'ai personne avec qui miner. Mais ils sont trop méchants avec lui. Qu'est-ce que je viens de te dire? J'ai envie de partir. Oui, pardon. Bonne journée, monsieur. Mais quoi? Ils sont super méchants avec lui. Attends, c'est qui ce gars là? Oh, c'est lui là, c'est le fermier. Il est super méchant avec lui. Oh, non, il est là. Il est passé derrière moi. Okay. Où est-ce qu'il va là? Où est-ce qu'il va? J'ai pas d'amis. Tout le monde dans ce village me déteste. Les gars, ouais, ça me fait de la peine. Regardez-le, il est en train de partir vers la forêt. Bon, bah, puisque c'est comme ça, allez, je m'en vais. Je ferme ma valise. Oh, et le gars, il va déménager? Attends, on va se rapprocher de lui. Comment ça, il va déménager? C'est la première fois de ma vie que je vois un villageois qui veut déménager. En général, je sais pas, ils sont toujours chez eux. Attends, il est passé où? Oh, il est là-bas, t'en fous, vite, vite. Ok, il est juste là. Qu'est-ce qu'il prend? La table de craft. Oh, il est en train de tout prendre. Il est en train de tout récupérer. Ok, il prend tout avec lui. Ah ouais, il a vraiment tout pris. Hein. Ah, il a laissé des petites tables avec des petites chaises. Peut-être qu'il veut peut-être pas les prendre. Il a quoi dans les mains depuis alors? Ah, il a sa pioche encore. Bon, allez, je prends ça, hop, voilà, allez, c'est parti. Je m'en vais. Oh, regardez, il y a une petite valise dans les mains. Regardez, il y a une petite valise dans les mains. Adieu, village. Il est vraiment en train de partir. Oh là là. Les gars, vous savez quoi, on va le suivre. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il va déménager du coup dans un nouveau village? Ou est-ce qu'il va juste devenir SDF? Je sais pas. On va essayer de le suivre, il est passé où? Bon. Il est juste là, vite. Allez. Allez, puisque c'est comme ça. Hop, voilà. Allez, direction un nouveau cap. Oh mais quoi, mais verrou, il va... Non, regardez, il a vraiment abandonné le village, les gars, il va partir au long. Il y a plus, il a laissé le village, il a laissé sa maison, c'est bon, il a tout pris. Et vous savez quoi? On va pas le lâcher, on va le suivre quand même. Oh, les gars, il est juste là, on est juste en dessous de lui. Oh, il s'est arrêté d'ailleurs, attends. Oh, mais il est bientôt en plus à la terre ferme là. On va essayer de le tour. Il est juste là. Il est pas loin. Et par contre, on espionne quand même super bien là. Oh, il vient de manger un petit coup. Allez, je vais manger un peu. Voilà. Je suis en train de me loyer vite, vite, donc je vais revenir en arrière. Faut que je revienne en arrière. Voilà. C'est parti. C'est bon. Ah, enfin la terre ferme. Hop, allez, je prends ça. Ouf, faut qu'on reste là, les gars. Discrètement, on ressort. Oh, allez, viens, on continue de le suivre. Mais où il va en fait? Coucou les moutons, est-ce que vous voulez bien parler avec moi un peu, s'il vous plaît? Je me sens très seul. Les gars, il arrivait à un stade où il parle tout seul avec des moutons quand même. Genre, ça va, mouton? Ça va, le mouton? Reviens, mouton! Il n'y a vraiment personne, c'est grave. Hein. Bon, bah de toute façon, pire, c'est pas grave. Ils n'ont pas besoin de moi. Et si je trouve même pas de village, et ben je me ferai une maison tout seul. Et je vivrai tout seul. Et ce sera bien mieux comme ça. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce délire? Au moins, il y a des belles fleurs. Hein, ça fait du bien de voir des belles fleurs. Bon, c'est quoi? On va le laisser un peu traîner tout seul. On revient le voir dans 10 minutes pour voir s'il a réussi à trouver quelque chose. Les gars, je l'ai perdu de vue. Il est passé. Oh, attends, il est passé où? Ah, mais il est juste là. Attends, mais quoi? Il est en train de dormir. C'est quoi ce délire? Je suis là, vous avez besoin de quoi? J'ai soif. Je l'ai sorti, les gars, il y a 3 secondes, il allait bien, et là je le voyais en train de suffoquer. Prenez de l'eau, vite. Attends, prenez, voilà, prenez l'eau, vite. Oh, merci, monsieur. Oh là là, mais il a failli mourir. Ça va, monsieur? Jam, c'est ça? C'est ça, oui, exact. Et vous faites quoi perdu ici? Un villageois, ça vit dans un village, vous faites quoi ici? Ah non, mais dans mon village, personne voulait me parler, personne ne m'aimait, alors j'ai décidé de partir. Bah attends, vous allez vivre où là? Parce que là, vous êtes perdu, vous êtes devenu SDF, là, y'a pas rien. Bah je sais pas encore, hein. Soit je trouve un autre village qui voudra de moi, soit je me ferai une cabane tout seul, et puis... Vous avez une valise sur vous, j'espère? Mais bien sûr. Ah oui, j'étais équipé. Bon, si vous voulez,
Je connais une ville pas très loin qui peut vous héberger. C'est vrai? Oui, vraiment. Ah, ce sera avec plaisir. Alors, je veux bien, oui. Ok, bah suivez-moi, mais attendez, par contre, il y a un secret, vous en parlez à personne. Ouais. Ok, restez là, parce que du coup, je peux vous dévoiler mon vrai visage à vous, en tout cas. Oui. Alors, attendez, je reviens, restez là. Bougez pas 3 secondes, j'arrive. Bon, les gars, vu que là, bah, vous le savez, on va aller dans Color City. Boum! Qui dit Color City dit qu'on doit se mettre directement comme ça. Voilà, parfait. Bon, Jam! Ouais. Je suis de retour, Jam. C'est bon, je suis oh là. Ah ouais, là, vous voyez ma tête comme ça, c'est parfait. C'est magnifique. Bon, si vous voulez, je vais vous conduire directement à Color City. Du coup, c'est la ville qui existe pas très loin. Ouais, oh, c'est magnifique. C'est un très bon nom. Ouais, merci, merci beaucoup. C'est la ville des lumières, des couleurs. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Ah bah, j'ai vraiment besoin des couleurs, oui. Ouais, surtout dans votre vie, parce qu'actuellement, je pense que ça va pas. Pourquoi il s'est passé quoi avec vos têtes là? Pourquoi vous avez une tête de raplabla là? Je vous ai suivi un peu tout à l'heure. Bon, vous posez pas de questions. Mais là, vous avez pas la même tête que tout à l'heure. Il s'est passé quoi entre temps? Ah bah, vous savez, dans la nature, c'est pas évident, hein. Ouais, je comprends bien. Bon, suivez-moi. J'ai pas eu de leçon, moi, pour apprendre à vivre, hein. C'est pas de soucis, je vais vous emmener directement à la ville. Ah, voilà, on est à l'entrée de la ville, Jam. C'est par là. Bon, oh, c'est encore en construction, ouais, un peu. C'est grand, pas... c'est beau. Ah, c'est chez oui. qui, là? Bah, là, c'est chez moi, là. C'est chez vous? Bah, oui, vous avez une maison comme ça? Bah, oui, c'est. Bah, je suis parti un peu des gérants de la ville, si tu veux savoir. Ah, d'accord. Mais j'ai jamais vu une maison aussi grande, hein. Vous... Ah, bah là, c'est pas le village, hein. C'est pas le village d'où tu viens. Ah, bah hein. Oui, ah oui, mais la maison, elle fait la taille de mon village, hein. Ah, mais je vous le dis, hein. C'est pas la campagne ici, hein. Ici, on est en pleine ville. Bon, suivez-moi, j'essaie de vous mener dans votre quartier. Ok, parfait. Merci infiniment, monsieur. Ah, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Ouais, mais dis donc, mais c'est vous ici? Bah oui, là, en gros, c'est les trois gérants de la ville. On est les trois maires, les trois au cahier, ah, si ouais. tu veux savoir. Ok. Waouh, c'est beau. Non, vous aimez bien la ville, ça va? Ah oui, je l'aime beaucoup, je la trouve magnifique. Bah, venez, je vous montre vos quartiers là. C'est un peu plus loin, le quartier où tu habites. Ok. Arrête, par contre, bon, la première semaine, ça va être gratuit, mais après, je vais falloir payer avec des émeraudes, donc il va falloir que tu travailles quelque part. Ok, oui, pas de soucis, monsieur. Ok, ok, parfait. Bon, allez, suis-moi. Voilà, c'est l'école, si t'as des enfants plus tard. On a du coup la mairie. Il y a un peu tout ici, en vrai, un peu tout quand même. Ah ouais, c'est magnifique. C'est très, 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 très grand, hein. Et surtout, il y a beaucoup de filles, hein, si vous voulez vous trouver une petite copine. Beaucoup de filles. Ah, oui, ah oui. Bah ça, c'est bien, ça aussi. Ah, c'est bien. Bon, après, c'est pas des villageoises, hein. C'est des. Voilà. Ah, bah non, mais heureusement, hein, parce que. Ah oui, t'es village, pas villageoise. Pas beaucoup de villageoises. Ok, non, ok. Non. Bon, tranquille, c'est pas grave, tu vas être servi. Bon, la maison que je t'avais réservée, je crois que c'est celle-là. Elle est juste devant nous, c'est la rouge. Oh, la rouge. Oh, ah, bah oui. Ah, c'est une sacrée maison. Qu'elle est belle. Ah oui, c'est une sacrée maison que je t'ai réservée là. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça, c'est de la maison qui maison. Ça. Exactement. C'est magnifique. Bon, tu sais quoi, je te laisse carrément rentrer en premier. Allez, je reste devant, là, je te laisse rentrer. Vas-y, rentre. Merci, merci. Il y a même une espèce de sonnette. Oh, c'est magnifique. Allez, hop. Ok. Je te suis. Alors. Donc, bien oh, il ouais, y a un salon. C'est N, c'est quoi le N? Que, bah, t'as jamais regardé Netflix? C'est quoi Netflix? Moi, il n'y avait pas la télévision dans mon village. Mais quoi? Mais là, tu vas te régaler. En gros, tu vas trouver tous les films, les séries, les animés, tout ce que t'aimes bien sur un seul écran. Oh, c'est trop bien ça. Et en plus, t'as une cuisine. Oh, avant, on devait marcher des kilomètres pour aller au cinéma. Attends, quoi? Oh, non, mais les gars, un frigo avec de la nourriture. Oh, bah, c'est oui. incroyable. Un frigo. Pas besoin de chasser. Oh. Quoi? Mais tu chassais avant en plus? Bah, bien sûr. Écoutez, monsieur, on faisait tout, hein, on chassait. On faisait le pain nous-mêmes, on allait chercher c'est vrai, de l'eau. C'est vrai que je vous ai vu faire le pain, le puits. Bah oui, c'est vrai. Bah en même temps, vous êtes à la campagne. Bon, je vous montre un peu ça, le. Ça, c'est un lit qui a l'air très. Ah, très confortable, très confortable. Le lit. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Là, vous avez votre petit bureau si vous voulez travailler là-dedans. Voilà, vous avez un petit Attendez, bureau ici. Je veux. Hop. Ah oui, ah oui, vachement confortable, oui, en effet. Ah oui, t'as vu ah, t'as testé ah, je l'aime beaucoup, oui. Attends, je vais le tester ah, aussi. Oui. Ah ouais. Ah oui, il est vraiment confortable pour le. Ah bah oui, oui, oui. Hein. Non mais monsieur, c'est ma maison quand même, réveillez-vous. Wow, oh, pardon, je me suis... c'est ma maison, monsieur. Ouais, mais le drap, il est super doux en même temps, le drap était super doux. Bon, viens, je te fais la suite des visites, viens. Donc là, t'as une deuxième chambre pour si t'as des enfants ou si tu veux héberger quelqu'un. Parfait. Ici, on a un magnifique bureau avec une vue sur la ville, ok. Et voilà, c'est pas mal, j'aime on a fait le petit tour. Vous avez même, je crois que c'est des petites toilettes ici avec une petite douche, parce que ça va, vous puez... Enfin, je voulais pas vous le dire, mais vous puez un peu quand même. Ouais, bah je... Oui, nous, on n'avait pas vraiment de douche dans le village, donc... Vous l'avez comment dans le lac à côté? Bien sûr. Oh, bah là, au moins, vous avez on avait une zone pour chercher l'eau et une zone pour se doucher. Bah là, au moins, vous allez être servi, bon. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois faire okay, mes okay. besoins, oui. Ok, pas de soucis. Bon, vous savez quoi? Je vous laisse découvrir le reste de vos chambres tout seul, la ville, et moi, je vais aller me balader un peu, ok? Oh, ok, on pas se revoit plus soucis. Tard. Allez, à tout à l'heure. À plus tard, merci, monsieur. Oh, quoi? Ah oui, attends, faut qu'on sorte vite d'ici. Non, mais les gars, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, là, on a réussi à rentrer dans notre ville. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement continuer l'espionnage pendant qu'il visite la ville. Bah, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce que c'est un gentil villageois ou est-ce qu'il va être méchant? Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, vu que je connais la maison, je vais me cacher ici dans le garage. Voilà, comme ceci. Et dès qu'il va sortir, je vais le suivre pour voir ce qu'il va faire. Bon, allez, moi, je suis allé explorer un peu l'extérieur. J'ai pas beaucoup visité la ville. Oh! Il est en train de sortir. Oh, il est là. Il y a une fille là-bas. Oh, il m'avait pas menti, le poulet. Il y a vraiment 18.
jolie fille, pas grave. Mademoiselle, excusez-moi. Quoi? En fait, je voulais savoir... Qu'est-ce que tu veux, toi? Je voulais savoir, en fait, si vous saviez que vous étiez super jolie. Ça m'intéresse pas. Laisse-moi tranquille. Ce qui est de se prendre, attendez. Ouais, d'accord, ok, ouais, pardon. Ouais, laisse-moi tranquille, là. Oui, désolé, madame. Oh, mais en plus, elle est vraiment trop belle. Je veux voir quand même sa maison. Il est en train de la suivre, ou je rêve? Attendez, il est en train de la suivre, attendez. Bah, parce que je sais pas où les gens ils habitent ici. Ah, c'est la maison là-bas, ok. Il va me voir, il va me voir vite. Okay, on se met là, parfait. Je vais essayer de lui cueillir des fleurs. Ailleurs, où c'est qu'il y a les fleurs? Oh, là-bas. Mais les gars, il est très bizarre, il suit les filles chez elles, comme ça, là, sans leur permission. Il est un peu bizarre quand même. Hein. Bon, on va quand même le suivre. Est-ce que c'est quelqu'un là? Oh, il a failli me voir, faut que je fasse demi-tour vite. Oh, c'est à qui la meilleure fleur? Allez, celle-là, elle est belle. Oh, il a pris une fleur, je l'ai vu. Ok, on reste là. Faut pas qu'on se fasse remarquer non plus, ok? On va rester là tranquillement. Ok, il retourne la voir, ok, parfait. On va essayer d'avancer un peu. Il est juste là. Ok, parfait. Ok, allez, prends ton courage à deux mains. Oh, ils sont chez elle. Bah, y'a quelqu'un? Bonjour, Qu'est-ce que tu fais là? Je le trouvais très joli et je voulais te donner cette fleur. Oh, mais c'est horrible, c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de faire. Tu m'intéresses pas, va-t'en. Mais pourquoi? Mais parce que, bah écoute, est-ce que t'es le plus riche du serveur? Ou quoi? Bah non, je viens d'arriver, je suis pas riche. Ok, bah quand tu seras le plus riche, peut-être que tu m'intéresseras. Ah, oh. Ok, d'accord. Allez, salut. Oh, oui, au revoir. Comment elle lui a claqué la porte au nez? Attends, faut que je parte loin, faut qu'il me voit vite. Ok, parfait, on reste là. Faut que je devienne riche, mais comment je vais faire pour devenir riche, moi? Faut que je trouve beaucoup de diamants. Oh. Allez, on va pas le lâcher, les gars, on continue de le suivre. Oh, mais comment... Oh, attends, mais il y a une salle de concert ici. Oh, attends. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire un concert tout seul. Oh, c'est grand, c'est beau. Donc... Oh, il y a un piano. Attends, est-ce que le piano, il peut marcher, peut-être? Il y a du piano, là? Qu'est-ce qu'il fait, là? Oh, c'est bon qu'on entend. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il marche vraiment le piano, en plus, hein. Dans un village oublié, sous un ciel toujours gris. C'est quoi ce délire? Il est en train de chanter. Tout chaque jour est une épreuve, chaque nuit sans étoile, car dans ce monde qui s'éloigne, il porte seul son fardeau. Les gars, on va laisser tranquille. Le vent murmure des secrets. Allez, on va partir, c'est trop intime, c'est ce qu'on entend là, c'est trop intime, on a pas le droit d'entendre ça de base. Arrête, c'est le but d'espionner quelqu'un pendant 24 heures. Et bon, là, ça commence à devenir un peu trop. Attends, mais on va essayer de regarder par là. Ah, mais il a l'air vraiment triste, hein. Regardez sa tête. Jam, oh le pauvre, bref. Allez, on va le laisser faire sa petite musique triste tout seul parce que bon, il va quand même se faire recaler par la fangirl. Donc là, on va essayer de partir un peu loin et d'attendre qu'il finisse sa petite musique triste. Oh, mais comment se faire pour devenir riche? Oh! Attends, mais c'est quoi cette maison? Ah, il est là, il est juste là, regardez-le. Oh! Mais c'est quoi cette giga maison? Attends, elle est encore meilleure que la maison des gérants. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il fait devant la maison du millionnaire là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Mais dis donc, attends, je vais quand même vite fait voir qui passe. Attends, je vais. Voilà. On va se mettre juste là, allez. Tranquillement. Là. Oh, c'est beau, il y a même une piscine, un pal. Oh, parasol, voilà. Ok, c'est bon, on est juste là, on va essayer de le suivre vite fait. Il est là, parfait. Ok, oh, c'est beau. Bon, je vais aller voir un petit peu à l'intérieur, mais vite fait, hein. Pourquoi il rentre dans la maison du millionnaire, les gars? Je comprends pas, attends, on va continuer de le suivre quand même, on sait jamais. Wow. Oh, yonk, il y a des giga miroirs. Mais pourquoi les miroirs, ils sont aussi grands? Mais c'est quoi, ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il rentre par... Les gars, je vais le bannir du serveur, là. Il rentre par effraction. Oh, la statue. Oh, il y a une statue, elle est magnifique. Oh, elle est quand même vachement jolie, la statue, hein. Bon. Oh, quoi? Personne. Oh, mais quoi, il aura... Mais hop, les gars, là. Il aura tout. C'est quoi ce délire? À moi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau par là? Oh, et les gars, je crois qu'il va pas durer dans le salon. C'est tout en or? Mais comment c'est possible? Il va trop. Bon, bah, je. Y'a personne. C'est libre service un peu. Je prends des photos là, j'ai des preuves. Voilà, parfait. Hop là. Allez, non, ça peut pas. Pourquoi je peux pas récupérer la chaise? Eh oui, il a une pioche en fer et je peux pas la récupérer. Attends, faut que je m'élève un peu. Et les couilles? Bon, bah, pas grave, je récupère ça. Non, ça m'intéresse pas en fait. Oh, y'a un piano! Oh non. Un autre piano. Oh non, il va récupérer le piano quand même. Oh, je peux pas en jouer. Bon, c'est pas grave, je le réparerai chez moi. Hein. Oh là, mais quoi? Merci. Il aura tout pillé. Oh, et attends, il y a un étage en plus. Ah, oh, bah oui, attends, il y a beaucoup d'étages. Il va jamais s'arrêter. Oh, il y a piscine, il attend. Allez, je vais faire un plongeon prêt. 3, 2, 1, go. Allez, on lâche. Les gars, il est en train de profiter. Attends, je prends des preuves quand même. Allez, viens par ça là, fait du bien quand même. Voilà. En plus, il y a une bonne l'eau. Voilà, comme ça, parfait. Oh, il y a un transat. Il va profiter. Ouais. Hein. Attends, je vais me mettre un peu dessus. Là. Voilà. Oh, on est bien quand même au soleil. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, dis donc. Bon, dis faut pas que j'y reste là trop longtemps. Mais c'est quoi ça? Ok. Oh, c'est quoi cette moto? Bon, bah, allez, salut, je m'en vais. Ah, c'est trop bien. Oh, enfin. Vous voyez la voiture, les gars, sous mes yeux. Allez, c'est parti. Il a une nouvelle aventure, enfin. Mais il est passé où, les gars? Je l'ai perdu de vue. Il est passé où? Oh, il est là-bas, c'est bon, je le vois. Parfait. C'est parti. Où est-ce qu'il va? On va prendre des photos. Vers l'infini et l'au-delà. On va pas le perdre de vue, là. Vas-y, c'est ça. Voilà la voiture, je vais voir ce que je vais te faire. Ah, parfait. Il est juste là, regardez-le là.
Il va y retourner. Attends, est-ce qu'il va l'accepter ou pas, à votre avis? Je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Ah, là, il peut pas refuser mon cadeau quand même. Qu'est-ce qui se passe? Une gare est là. Ouais, qui est en train de l'appeler. Oh, c'est qui encore? J'espère que c'est pas l'autre, hein. Oh, attendez. Oh, salut! Eh, regarde, j'ai amené un grand piano super cher pour toi. Oh, quoi? Il vient poser le piano comme ça? Alors, est-ce que tu veux sortir avec moi? Mais non, ça m'intéresse pas. Arrête de forcer. Mais pourtant, je suis riche. Je jure, arrête de forcer. Oh, ok, ok, pardon. Pardon, madame. Pardon. Ah! Non! Reviens là. Oh bon, non, pardon, je m'excuse. Eh, vous savez quoi, on va laisser de l'autre côté. Moi, je pars. Eh, c'est quoi, c'est la première fois que je suis quelqu'un et il se passe autant de trucs. C'est quoi ce délire? Vous savez quoi, de toute façon, il avait ce qu'il avait à faire. Mais c'est quand même drôle.